dry. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving. Hello, bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Nous sommes le lendemain du semi-marathon. C'est compliqué aujourd'hui, j'ai mal partout. Je viens de faire un stretching comme vous avez vu. Ça m'a fait trop du bien. J'utilise souvent ce rouleau. Ouf, c'est un pote qui est kiné qui me l'avait offert au Secret Santa. Et franchement, c'est le meilleur cadeau. Je l'utilise tout le temps pour faire craquer le dos et tout. Ça fait trop du bien. Et j'aime bien aussi utiliser ça. Vous le faites comme ça là. Et c'est comme si quelqu'un vous massait. Et ça fait trop du bien quand t'as des courbatures. Vraiment, j'adore ce petit combo. Là, je vais aller vite fait me préparer parce qu'il est 11h. J'ai besoin, voilà, de me préparer. Sinon, je sais que je vais être lazy toute la journée. De toute façon, j'ai rien prévu à part répondre à vos questions, vous parler un peu du semi et tout. Aujourd'hui, c'est un peu chill, même si je travaille depuis ce matin, je fais du montage. Peut-être que j'irai quand même prendre l'air parce qu'il a l'air de faire beau. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle journée. Il est midi, c'est l'heure de manger. J'ai fait du coup des perles avec des patates douces, du tofu grillé et des brocolis. Voilà, j'ai super faim parce que hier... j'ai mangé, mais pas tant que ça parce que j'avais pas super faim. Donc là, vraiment, mon ventre il gargouillait. Ce qui est normal, hein, vu le nombre de kilomètres que j'ai fait hier. Donc j'ai mangé ça et après, je finirai de me préparer avec vous. Et je vous ai demandé sur Insta de me poser toutes vos questions concernant la prépa du semi, mon ressenti le jour du semi et tout. Donc voilà, j'y répondrai au fur et à mesure du vlog, je pense. Je viens de finir de manger et j'ai vite fait mes cheveux. Ça me fait du bien de s'apprêter un petit peu. Je vais aller me maquiller après vite fait. Je vais me faire un matcha parce que je bois pas de café. En fait, j'essaye de ne plus boire de café la semaine avant d'avoir mes règles et quand j'ai mes règles et tout pour pas stresser mon petit corps. Donc on va se faire un matcha. D'ailleurs, je me suis grave habituée à préparer mon matcha avec le lait directement et pas mettre avec l'eau. Vraiment, j'adore, ça le rend beaucoup plus... onctueux. Je vais faire un matcha de feignante parce que c'est au sale, genre mon bol, la cuillère et tout. Donc je vais faire mon matcha vraiment de manière très rapide. Du coup, la première question, c'est comment est-ce que tu as vécu ton semi? Est-ce que tu as kiffé la course? Est-ce que tu as atteint tes objectifs et tout? C'était un peu voilà, la même question qui revenait au début. Je pourrais le boire comme ça. Trop bon. J'ai fait un reel sur Insta où je vous racontais du coup ma course. Donc si vous me suivez là-bas, vous l'avez potentiellement déjà vu. Mais en gros, je disais que j'étais grave contente et fière de moi parce que j'ai vraiment pas accéléré dès le début. Et c'est vrai que quand on commence une course en général, on a grave d'énergie, on a envie d'aller tout de suite à fond. Et selon moi, c'est grave une erreur. En tout cas, sur moi, ça fonctionne pas comme ça. À chaque fois que je fais des runs où je pars à pleine balle, ça se passe mal et je regrette. Donc sur ça, je suis trop contente de ne pas être allée trop vite, ce qui fait que jusqu'au 10e, 11e kilomètre, je me sentais plutôt bien. T'as vraiment l'euphorie de la course, t'as les gens autour de toi qui courent, donc t'es hyper motivée. En fait, vu que j'ai pris un gel au 10e kilomètre, il a fait effet, j'ai l'impression, vers le 14-15e kilomètre, ce qui fait que les 12 et 13e kilomètres étaient vraiment compliqués. J'ai ressenti un peu une baisse d'énergie, etc. Genre le gel ne fait pas effet de suite, en tout cas pas sur moi. Du coup, j'ai eu un petit coup de mou, genre je sentais qu'il n'y avait plus d'énergie. Et après, entre 14 et 16, franchement, ça allait. J'avais re la motivation. Mais ce qui m'a tué un peu, c'est les ponts, enfin les tunnels. Parce que ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Et du coup, ça casse un peu ton rythme. Et je trouve que c'est hyper dur de maintenir ton allure. Donc voilà, vraiment la première difficulté, c'était aux alentours des 12-13. Et du coup, au 18e kilomètre, j'ai commencé à faire une accélération. Mais en fait, ça m'a tué. Ce qui fait que vraiment, le 19e kilomètre, je l'ai subi et je l'ai fait au mental. Du coup, oui, j'ai bien vécu ma course et j'en suis très contente.
Voilà, je l'ai pas trop subi. Je pensais que j'allais beaucoup plus la subir et tout, et que ça allait être vraiment très compliqué. Alors c'était pas easy, hein. Enfin clairement c'était dur, mais ça allait. Je vais essayer d'être assez synthétique parce que sinon je sens que je vais parler pendant des heures. Mais du coup, la prochaine question c'est: comment est-ce que tu as préparé ton semis? Quel programme as-tu utilisé? Déjà, l'application que j'ai utilisée, c'est l'application Keeprun de chez Decathlon. Je vous en avais déjà parlé. C'est une application qui est gratuite et qui est vraiment incroyable. Je pense que niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. En gros, c'est une application qui va vraiment te proposer un programme sur mesure en fonction de ton niveau, de si t'es débutant ou non, de tes objectifs lors de la course, combien de fois par semaine tu veux t'entraîner et combien de semaines tu as avant la course, donc combien de semaines de prépa. Moi j'avais une assez longue prépa, on me dit qu'en moyenne une prépa c'est 2-3 mois. Moi j'avoue que quand je me suis inscrite à la course, donc que j'ai faite hier, j'ai directement commencé une prépa parce que je me suis dit bah tant qu'à faire, let's go. Mais c'est vrai que si t'as l'habitude de courir et tout, t'es pas obligé de faire une prépa 6 mois en avance. Mais typiquement, si tu n'as jamais vraiment trop couru et que ton objectif c'est de faire une course dans 6 mois, par exemple un semi dans 6 mois, je te recommanderais vraiment de commencer à courir maintenant et à te préparer tout en douceur. Et c'est ce que j'aime avec l'application, c'est qu'elle va vraiment te proposer un programme pour que tu évites en fait de te blesser. Elle va vraiment limiter les risques. Et ça, je trouve que c'est assez cool, c'est un gros point positif, c'est que tu vas vraiment évoluer tout en douceur. Moi, je sais que quand je lui avais mis mon objectif, qui était de courir bah, les 20 km à 5,45, elle avait dit que mon objectif était trop ambitieux, mais écoutez, je l'ai fait. Mais voilà, le but de l'application, je pense, c'est vraiment de te faire évoluer petit à petit et de limiter les risques de blessures. Donc, je vous la recommande vivement. J'avoue qu'au début, je m'ennuyais énormément dans les séances parce qu'elle me faisait courir super lentement, genre je devais courir à 7,30 je crois du kilomètre. Pour moi c'est très lent, c'était limite je faisais du sur place. Elle voulait vraiment pas que je me blesse l'application, mais écoutez, ça a fonctionné. C'était une prépa tout en douceur, mais écoutez, j'ai réussi le jour J. Donc je peux que vous recommander le programme que j'ai fait, enfin l'application en tout cas. Et mes 3 dernières semaines d'entraînement, je les ai faites avec ChatGPT. Voilà, je suis tellement honnête et transparente avec vous et je vous l'avais dit d'ailleurs dans un vlog, mais j'ai voulu tenter et franchement je pense que ça m'a aidé à gagner de la vitesse hier. Et ensuite j'avais une autre question, c'était comment réussir à réduire son temps par kilomètre. Bah ça c'est les séances de fractionnés en général qui te permettent de vraiment optimiser ta VMA. Comment t'as réussi à gérer les entraînements muscu et run? C'est une bonne question. Au début, j'ai réussi à vraiment garder mon rythme que j'avais en muscu, c'est-à-dire deux séances bas du corps, deux séances haut du corps. Et c'est vrai que j'ai dû tenir ça 2 mois à peu près, 2 mois et demi. Mais c'est vrai que quand tu cumules les 3 runs plus deux séances haut du corps, deux séances bas du corps, ça fait 7 jours. Donc en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'enlevais une séance haut du corps et cette séance haut du corps, je la jumelais en fait à une séance bas du corps, ce qui faisait une séance full body. Et pour moi, c'est le meilleur moyen, je pense, de pouvoir tout caser dans sa semaine si jamais vous faites de la muscu et du run. C'est vraiment de faire des séances full body parce que ça vous permet en fait d'optimiser un max votre temps entre guillemets. Et après je pense qu'à un moment donné dans la prépa faut faire des choix. Je sais que là au mois de septembre j'ai privilégié le running par rapport à mes perfs en muscu. Ça veut pas dire que vous devez arrêter la muscu, loin de là. En plus je vous le répète souvent mais le renfo est tellement complémentaire avec le running. Vous n'avez plus de place. Je parle trop, mais pour moi, ouais, le renfo, c'est vraiment essentiel. Et je pense que c'est ce qui m'a un peu sauvée hier parce que j'avais plus d'énergie, mais j'étais trop bien au niveau des jambes. Et je sais que c'est parce que la semaine dernière, j'ai laissé mes jambes se reposer. C'est important entre chaque séance de laisser reposer un peu vos jambes. Moi, je le faisais pas suffisamment, ce qui fait qu'à chaque run, au bout de 10 km, j'avais trop mal, etc. Parce qu'en fait, bah, mes jambes sont sans cesse sollicitées. Donc, c'est hyper important de laisser reposer votre corps. Et je pense que c'est aussi une question de priorité dans vos objectifs. Si de base, vous êtes une meuf qui va tout le temps à la salle et vous avez envie de vous mettre au running, franchement, vous pouvez grave faire les deux. Et comme je vous disais, c'est hyper complémentaire. Je pense que c'est le meilleur moyen pour ne pas se blesser et pour progresser, mais juste adapter vos séances. Et écoutez, je vais faire une petite pause. J'ai quand même répondu à pas mal de questions. On voit déjà les prochaines questions, genre quelle va être ma prochaine course, tout ça, tout ça. Thank you.
petite pause avec mon snack préféré. Pour répondre du coup à la prochaine question, quels sont tes prochains objectifs? Est-ce que tu vas faire le marathon? Et la réponse est non. En tout cas, je vais pas faire le marathon. Alors après, peut-être que je vais changer d'avis les prochaines semaines. Mais c'est vrai qu'on se dit, bah, semi, prochaine étape, marathon. Mais vu que je suis une jeune coureuse, j'ai pas envie de me mettre ce type d'objectif maintenant. Parce qu'en fait, je pense qu'une fois que t'as fait le marathon, t'es un peu en mode, bah, ça y est quoi. Déjà, une prépa semi, une prépa marathon, ça n'a rien à voir. La prépa semi, ça a déjà pris une sacrée place quand même dans mon quotidien. Et comme vous le savez, si vous me suivez, j'ai vraiment envie cette année de développer ma chaîne YouTube. Alors le running est arrivé comme ça dans ma vie et je lui laisse une petite place et je vais continuer de courir parce que j'adore ça. Mais c'est vrai que je me sens pas prête à laisser place à une prépa pour le marathon. Je sais que si je fais une prépa pour le marathon, je vais vouloir m'y donner à 100%. Et actuellement c'est pas ma priorité, je pense que préparer un marathon c'est vraiment le projet de l'année. Pour le moment je me vois bien faire un 10K avec des objectifs de temps et pourquoi pas refaire un semi les prochains mois mais dans une autre ville. Voilà, pourquoi pas Bordeaux. Peut-être sur l'année 2025. Donc voilà, j'ai déjà trop hâte. Hier quand j'ai fini le semi j'étais en mode... Ok, c'était trop cool, mais là, j'ai besoin de me calmer un petit peu. Aujourd'hui, en fait, j'ai déjà envie de recommencer. Donc écoutez, je verrai. Le vlog du semi est posté. Il est 18h. Et vraiment, j'avais trop d'émotions en le regardant. J'aime trop avec la petite musique et tout. Par contre je suis mais dans un état de fatigue. Je sais pas pourquoi j'ai cru que j'allais pas être fatiguée. Alors que si. Je vais aller m'aérer un peu la tête. Là il est 18h comme je vous disais. Et voilà, puisque je déteste ne pas sortir de chez moi de la journée, juste faire un petit tour. D'ailleurs j'ai reçu d'autres questions. Le plus dur dans ta prépa, si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose? Le plus dur dans la prépa, c'est vraiment d'être consistant selon moi. De vraiment faire tes 3 runs par semaine, c'est quand même beaucoup. Et pour moi c'est entre guillemets le plus dur. Le plus dur mentalement, c'est vraiment... l'endurance fondamentale puisque tu as une allure assez chill mais tu dois courir longtemps et du coup tu peux vite t'ennuyer. Et je crois que dans la question elle me demandait si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose. Le seul truc que je changerais si jamais je devais refaire une course, c'est prioriser dès le début mes entraînements et me laisser plus de repos et pas faire à fond la muscu et à fond le running. Voilà, mais sinon ça va, j'ai bien suivi mon petit programme. Et ensuite j'ai une question, comment réussir à courir plus longtemps? Pour moi la clé pour réussir à courir longtemps, c'est de bien faire ces séances d'endurance fondamentale, même si comme je disais c'est long, des fois ça peut être chiant et tout. Et surtout quand tu fais tes premiers longs runs, aller à une allure hyper chill. En fait il faut que tu habitues ton corps à courir longtemps. Et du coup si tu commences direct à courir à ton allure cible du semi, tu seras grave découragé et ce sera super dur. Donc c'est pour ça que l'application elle est trop bien faite. C'est que vraiment au début on te dit d'aller courir 7 km. Peut-être que à ton allure classique les 7 km tu vas les faire en 45 minutes. Mais l'application elle va te dire de les faire en 1h20. Donc voilà, c'est vraiment mon conseil. C'est d'y aller mais progressivement et de pas faire ses premiers longs runs à une allure hyper rapide. Il est 19h50. Je suis allée, oula, c'est mieux. Je suis allée me balader, ça m'a fait du bien. Pas longtemps en vrai, mais juste prendre l'air. Et là du coup je vais manger. J'ai fait pâtes, courgettes et tofu. Il me restait des pâtes d'hier. Donc voilà, j'ai un peu improvisé. Bon appétit, je vais me regarder une petite vidéo YouTube.
J'espère que ce daily vlog vous aura plu. Promis, je vais moins parler de running, mais là j'avoue que ces derniers jours, voilà, ma vie a tourné autour de ça. Aujourd'hui c'était une journée un peu particulière, j'étais dans un mood bizarre. C'était un peu la redescente. Je pense que j'étais fatiguée et l'émotion qui redescend et tout, la pression. Enfin, ces dernières 24 heures étaient folles parce que j'ai eu tellement d'amour, j'étais tellement heureuse d'avoir fait la course et tout. Enfin, voilà, c'était beaucoup. Je pense que ça se voit à ma tête, il faut que j'aille dormir. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et puis on se dit à demain pour un nouveau daily vlog. Bisous.